fréquence ESG. Et on commence tout de suite par une petite tradition chez nous, c'est votre portrait, c'est Camille Garcette qui le fait. Je vous laisse écouter, on en discute après. Monsieur Yann Boucard, dans 20h l'invité, pas encore reconnu. Pour commencer à intriguer dans la politique impliquée, un parcours tout indiqué, des électeurs incités. Pour être élu, faut insister, vous venez de Belfort, dans le nord de la région. Ton coyote est compté, c'est tout le temps la bonne saison. Une entrée en politique, aussi jeune que remarquée. Parlons maintenant des événements qui nous ont marqués sous l'étiquette LR, vous vous êtes présenté, mais votre adversaire vous accuse de tricher. Distribuez des faux tracts, vous manquez donc de tact. Vous qui parlez de la République, laissez-la donc intacte. Journaliste donc délateur, vous trompez les électeurs. François Fillon aurait pu être votre collaborateur. C'est nos vices et nos démons que l'on pense. Donc t'es pas très honnête pour quelqu'un qui vient de Franche. Comptez, mais dans un jeu, il y a des règles, comme partout ailleurs. Refaire les élections vous a donc porté bonheur. Aujourd'hui à l'Assemblée, cette histoire est oubliée. Bien au chaud, confortable dans son siège de député. Mais quelques points à garder, vous êtes fan de football. Entraîneur et des années, vous préférez l'attaque que le goal. Le sport a été votre passerelle pour la politique. France-Allemagne ce soir, donnez votre pronostic. Est-ce que ça vous a plu? J'ai pas compris tout ce qui a été dit. Oui, très bien. Après, c'est la première fois qu'on vous fait un portrait en rap? Oui ou non, de toute façon. C'est la première fois qu'on fait un portrait en rap, je vous confirme. Et ce sera peut-être une prochaine fois si vous reviendrez ici. On aura toujours Camille Garcette. Merci Yann Boucard. Plaisir.